Le Bureau général des apprenants de l'Agence nationale pour la formation professionnelle de Kaya a organisé ce samedi 13 mai 2023 la finale du tournoi de football sur le terrain du centre. Débuté en avril dernier, le tournoi de football a pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les apprenants. Après les phases éliminatoires, c'est la filière électricité première et deuxième année qui se sont donné rendez-vous à la finale. Au début du match, c'est avec sérénité que les deux équipes de la filière électricité ont entamé la finale du jour. 30 minutes après le match, le maire de la rencontre amène les deux équipes à la pause sur un score de 0 but partout. À la reprise, les deux équipes ont procédé à des changements afin de trouver le fond des filets. Malgré plusieurs tentatives, aucune équipe n'a pu trouver le fond des filets. À la fin de la seconde période, les deux équipes enregistrent 0 but partout. Pour la phase des tirs au but, c'est l'équipe de la première année qui l'emporte sur deux tirs cadrés contre un tir de l'équipe de la deuxième année. L'équipe de la première année de formation en électricité est sacrée vainqueur de cette compétition. Pour le capitaine de l'équipe vainqueur, c'est le travail qui a payé. Ah, en tout cas, le sentiment qui nous a mis, on a commencé du début. Puis, bon, c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait ça. On a joué un match à 5. Donc, on est allé au fond. Donc, le début c'était difficile, mais bon, en tout cas, on a fait ce qu'on pouvait. Pour le délégué chargé des activités sportives du centre de formation professionnelle de Kaya, c'est un sentiment de joie après la réussite de ce tournoi. Bon, après la réussite de cette coupe, en tout cas, je suis fier, je suis très content. Et c'est avec le début qu'on a eu à commencer les organisations et puis, bon, ils ont commencé le fair play. Du début jusqu'à la fin, on n'a pas eu de blessés ni bon, des cas majeurs. Donc, en tout cas, ils ont joué jusqu'à la finale et puis le finaliste a remporté sa coupe. Dans l'ensemble, on peut remercier le bon Dieu. En marge de ce tournoi de football, des activités socio-culturelles sont prévues au sein du Centre régional de la formation professionnelle au profit des apprenants du centre. Hey,